navigation. Ça tombe au présent. Allez, on va s'approcher de ces débris. Hors de danger. Je dois dire que tu m'as fait peur cette fois. Aider quelqu'un à déménager? Est-on désespéré à ce point? Oh, ce type a beaucoup d'affaires! Le boulot, c'est le boulot, et quelques drachmes de plus ne nous feront pas de mal. Tu sais, les tâches les plus simples peuvent parfois être dignes de notre intérêt. Ah, voilà qui est vraiment digne de mon intérêt. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Thank you.
J'ai entendu dire que quelqu'un rôdait dans... Ils sont là pour tuer. Pourquoi les attaquer? Ces gens n'ont rien fait. Watsons, merci. Mistios, attention! D'autres sont en danger, près du campement spartiate! Porteuse d'aigle. Tu es la porteuse d'aigle? Le veneur sera satisfait qu'on lui apporte ma tête. Vous pouvez toujours essayer. Les moins grands, on le dit, porteuse d'aigle. Quelqu'un pourrait m'aider? Je ne peux pas mourir, pas maintenant. Tout le monde. Il faut les en empêcher. Oof.
vois personne. Sauvé. Sans toi. Portus d'Aigle. Appelle-moi Cassandra. Mon nom est Natakas. Ils m'ont appelé Portus d'Aigle. Comment se fait-il qu'ils me connaissent? Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, ils cherchent quelque chose. Je ferais bien de retenir ce nom de veneur. Et s'il est ici, c'est mauvais. Je dois m'occuper de ces gens. Ce membre d'élite de l'Ordre a tué en passant par ici. Il a laissé des traces tout près. Je vais le suivre. Merci, Cassandra. De quoi? Pour ton aide. Tu as été la seule. Ils ont tué tout le monde. Ils ne méritaient pas ça. Les cadavres mènent jusqu'à la rivière. Des Spartiates morts. Il y en a d'autres en amont. Il faut que je trouve qui a fait ça. Comment des Perses savent-ils qui je suis? Des gestes précis. Ces Perses n'ont rien vu venir. Des gardes. Je dois être sur le bon chemin. Le garde d'élite. Qui es-tu? Cette lame. Ah!
C'est la porteuse d'aigle. C'est ton père? La porteuse d'aigle. Il faut partir, Natakas. D'autres soldats approchent. Notre repère est sous l'arche rocheuse. Retrouve-nous là-bas. Attaquer à la porteuse d'aigle. Elle aurait pu te tuer. Assez. C'est terminé. Chaque fois que je nous prends. Ce n'est pas le premier village attaqué. La présence de l'ordre s'intensifie. Raison de plus pour rester discret. Et laisser périr des innocents? Des innocents sont morts. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Nous devons être prudents, Natakas. Tu le sais. Des villages incendiés, des Perses se commandant à des Spartiates, l'attaque d'un vieillard en colère, ça ne me plaît pas du tout. Je veux des réponses, et vite. Comment nous as-tu trouvés ? Je le lui ai dit. Tu veux lui révéler d'autres secrets ? Vous devez savoir ce qui se passe ici. Les Perses que tu as vus commander aux Spartiates. L'Ordre des Anciens. Une puissante société secrète qui contrôle la Perse depuis le règne de nombreux rois. Une société secrète. Il en existe quelques-unes, en effet. Je te l'ai déjà demandé quand tu as tenté de me tuer. Qui es-tu ? Darius. Il va me falloir plus qu'un nom. Elle l'a mérité. Il y a toujours eu des hommes avides de pouvoir et de contrôle. Et des hommes pour s'opposer à eux. Dans quel camp es-tu ? Laisse-moi te raconter l'histoire du grand roi Xerxès. C'était il y a de nombreuses années, en Perse.
tous. Pour rien. Car rien ne peut arrêter l'ordre. Mais tout son pouvoir n'a pas réussi à te protéger. Pas de moi. Et depuis, il nous traque. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on entend tous les jours. Et je ne la raconte pas tous les jours. Mais l'ordre, il est ici en ce moment. Il incendie des villages entiers et tue des innocents. Que cherche-t-il ? Pas nous. Nous étions en sûreté ici. Ça fait longtemps que l'ordre des anciens a perdu notre trace. C'est vous que le veneur traque. Vous, les impurs. Désormais, tu dois faire un choix. Affronter l'ordre ou disparaître. Père. Il faut que j'en apprenne davantage. Peut-être que Natakas pourra me donner des réponses. Quelques loups ne seront pas un souci. Je dois trouver Natakas. Que ça pouvait venir. Je te quitte pas des yeux. Depuis longtemps pour ça.
Fichons vite le camp d'ici. Merci, Mystios. Ces Malakès pensaient pouvoir m'enfermer, mais ils n'ont rien compris. Aucune prison ne peut me retenir. Personne ne le peut, pas même cet ordre stupide. D'accord. Ces mercenaires ont occupé l'endroit où je préfère aller pour boire du vin. Personne n'a envie d'avoir des mercenaires mal élevés près de chez soi. Sans t'offenser. Aucunement. Tu sais, je les ai entendus dire qu'ils avaient amené 3 autres mercenaires. Incroyable, non ? Je vais t'aider à retrouver cet endroit. Ah, bien. Rappelle-toi, il y a 3 mercenaires. Quand ils ne seront plus là, j'aurai plaisir à boire une coupe de vin avec toi là-bas. Même si tu es toi aussi une Mystios. Ça me plairait, oui. Thank you.
Cassandra, qu'est-ce que tu fais ici? J'allais te demander la même chose. Les activités physiques m'aident à organiser mes pensées. Tu aimes chasser? Oui, il y a des cerfs par ici. Chaque fois que je t'ai vu, tu essayais de sauver des vies, pas d'en prendre. Aucune crise de conscience, si l'on chasse dans un esprit d'équilibre et de respect. Cette idée me plaît. J'allais commencer. Tu veux te joindre à moi? Ça me plairait. J'aimerais beaucoup. Voyons ce que tu sais faire. Combien de cerfs penses-tu pouvoir chasser? On va le savoir. Voilà, les cerfs sont souvent par ici. Joli tir. Darius sait se battre. Il doit beaucoup s'entraîner. Oui, tous les jours. Il ignore son âge. Mon père n'est pas un homme bavard. Et encore, d'habitude... Tu as entendu ça? Quoi? Suis-moi, sans faire de bruit. Là. Il est futé. C'est par ici. Quoi, par ici? Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Aie confiance. Regarde. Un sanglier? En Macédoine? C'est extrêmement rare. Et délicieux. Ça, c'est vrai. Silence! Il va t'entendre. J'en ai l'eau à la bouche. Ça donne meilleur goût à tout. Tu cuisines très bien, Natakas. Tes plats sont dignes des dieux. C'est une recette de famille. Ma grand-mère serait ravie de t'entendre. Nous devrions vivre comme les dieux lorsque nous le pouvons. Nous? Des dieux? On peut bien faire semblant, après tout. Mais je reste une mystios. Je chasse pour manger, comme toi. Je travaille pour gagner ma vie, comme toi. Je vis sur la route, comme toi. Mais j'ai vu la porteuse d'aigle. Tes exploits sont dignes des récits. Avec ce qui se passe en Macédoine, j'imagine que vous ne pouvez pas rester ici. Je ne sais pas. Nous fuyons sans cesse, depuis que je suis tout petit. Ma mère trouvait toujours une solution. Que l'on soit au bord d'une route ou au fond d'une grotte, elle trouvait le moyen de nous réchauffer, de nous protéger, comme si nous avions une maison. Je ne sais pas si je retrouverai ça un jour. Elle a disparu? Il y a des années, pareil pour ma sœur. Les gens de l'ordre. La dernière fois qu'on en a vu, c'est aussi la dernière fois où j'ai vu Nihima. Et toi? Parle-moi de ton passé. Moi non plus. Je n'ai jamais eu de vrai foyer. J'ai grandi toute seule, en espérant trouver un endroit où je me sentirais... au chaud. Je ne l'ai pas trouvé. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'un tel endroit existe. Notre passé nous modèle, mais ne nous définit pas.
Perse, tu dis ? Darius prétend avoir tué le roi Xerxès en personne. Ah ! Tu n'y crois pas, quand même ! Si, j'y crois. De tous les mensonges qu'il aurait pu me dire, c'est l'un des plus invraisemblables. Un mensonge digne de Tholos lui-même. Je ne sais plus ce que je dois croire. Selon Darius, cet ordre des anciens est à ma recherche. Le message qu'il a trouvé mentionne d'autres gens. Il y a d'autres gens comme toi ? À ce qu'il affirme, oui. Mais comment être sûr que Darius ne travaille pas pour le culte ou n'appartient pas à l'ordre ? Tu dis qu'il connaissait tes talents de guerrière. Peut-être veut-il que tu l'aides à lutter contre cet ordre. S'il n'en fait pas partie. La seule question est, as-tu confiance en lui ? J'ai confiance en Darius. C'est un homme de mystère, mais pas un menteur. Tu vas devoir retourner auprès de ses perses, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe. Darius cache quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors sois prudente. Assure-toi que ce qu'il cache n'est pas un piège. Je serai aussi prudente que d'habitude. C'est bien ce qui m'inquiète. Ayantides le Fier. Quel nom étrange. Cet homme est un coriace pour survivre à un tel traitement. Allez. Allez, allez. Allez. Et voilà. Allez.
à ce qu'on y remarque. Qui a pu faire ça? Rejoindre l'ordre. Il n'y a rien de mal à ça. Allez, on y va.
Mieux vaut éviter de se faire voir. Thank you.
Les hommes sont des armes utiles dans les mains d'une femme avisée. Faudrait pas qu'on me surprenne ici. Thank you.
cherches quelque chose, Mistios? Il paraît que c'est toi qu'il faut venir voir quand on a des peaux d'ours à vendre. Tu n'as pas assez de peaux d'ours. Reviens quand tu les auras. Je dois rester caché.
Cela devrait servir d'avertissement au veneur. Je me demande comment il réagira en apprenant la mort de ses animaux de compagnie. Pourvu que personne ne me remarque. Tu ne causeras plus aucun mal.
essayer de ne pas me faire voir. La vengeance peut pousser à faire des bêtises. C'est toi. Tu as les peaux d'ours dont nous avions parlé? Tu es au bon endroit si tu as, en effet, des peaux d'ours. Voilà les peaux d'ours. C'est par là. D'accord. J'ai oublié le code. Un instant. C'est toujours comme ça. Au commencement était le chaos. Et nous sommes l'ordre. Par Zeus, tu es doué. Heureusement que tu connaissais le code. Sinon, j'aurais eu besoin de ce message. Oui. Je ne suis qu'un instrument dans les mains des dieux. Mais il arrive qu'ils en aient besoin. Sa vie a été une tragédie.
que les animaux. Bonjour. À une autre fois.
de voix ici, j'aurai des ennemis. Thank you.
le dernier mercenaire. Je vais aller retrouver cette vieille femme et lui réclamer le droit. Vieille femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mercenaire a surgi de nulle part et l'a poignardée dans le dos. Elle est revenue en titubant et en marmonnant qu'il n'allait pas lui gâcher sa vue. Cette vue est magnifique. Éternellement, je viens te chercher. Cosmos combat pour Athènes. Par conséquent, Athènes combat pour Cosmos.
le vieil entêté. Il est parti chercher le veneur tout seul. Qu'est-ce qu'il croit? Il passe sa vie à dire « je travaille seul ». Mais s'il continue, il va mourir seul. Il a besoin de mon aide, de notre aide. L'ordre est dangereux. Nous savons tous les deux que seul, il aura des ennuis. S'il avait 20 ans de moins, je ne m'inquiéterais pas. Mais tu as vu ses cicatrices? Je n'ai plus que lui. Il a besoin de notre aide face au veneur. Bon, et maintenant? Mon père suit ses pistes, mais moi, j'ai mes propres informations. Le veneur a des lieutenants qui appliquent ses ordres, alors que lui reste caché. Nous devons les trouver et leur faire dire où il est. Indique-moi la bonne direction, et ses lieutenants parleront, crois-moi. L'un des lieutenants du veneur est un recruteur. Il renforce son unité de mort afin de te traquer. Sache que j'ai fait part de cette piste à mon père. J'ai aussi un contact qui devait surveiller les activités de l'ordre. Elle a disparu dans les marais. Je vais la chercher là-bas. Enfin, des gens tombent gravement malades au village de Potidée. J'ai bien peur que l'ordre soit derrière tout ça. Ton contact dans les marais, tu sais ce qui est arrivé à cette femme? Je l'ai envoyé là-bas espionner un lieutenant de l'ordre qui commande les troupes spartiates dans la région. Je pense qu'il s'est attaqué à elle. Nous devons la sauver et tâcher de recueillir d'autres informations sur le veneur. Je dois en savoir plus sur ce qui se passe dans ce village. Les habitants sont très malades, et c'est sûrement à cause de l'ordre. Le magistrat s'occupe de la situation, mais j'ai des doutes sur ses intentions. Tu as parlé à Darius d'un recruteur de l'ordre. Où vais-je trouver ton père? Il en a peut-être appris davantage. Le recruteur organise des réunions dans les fermes de Macédoine. Il y en a une près du repère. Je vais examiner ces pistes pour trouver le veneur. Kéré, Natakas. Retrouve-moi à Potidée. Il faut que j'ai... quelque chose là-bas. Trouver des informations sur le veneur ne doit pas être bien difficile. Si tu n'es pas là pour régler mes problèmes, tu peux partir. Oh, la Mystios à l'aigle. Cassandra, tu es là. Et voici... ça continue. Bon, si vous n'avez pas de solution à m'apporter, je vous invite à aller voir ailleurs, d'accord? Non, je vais bien. Je le jure. Cet homme a peur. Où est-ce qu'on l'emmène? Ça ne te regarde pas, Mystios. Toute trace de cette maladie doit être éradiquée. Quel qu'en soit le prix. Tu dois être le magistrat du village de Potidée? Parle-moi de ce mal. On dirait que la nouvelle se propage. Comme cette maladie. Et ces crétins y succombent sans nous laisser le temps de trouver un remède. J'ai entendu dire qu'il y avait une guérisseuse ici. Nous la cherchons. Comme nous tous! Cette Malaka est partie chercher des ingrédients. J'ai même envoyé des hommes pour la ramener. D'ailleurs, au lieu de rester ici à discuter, si vous nous aidiez...
Je vais trouver ce médecin. Bien. Va la chercher. Elle n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Si tu ne la trouves pas, inutile de revenir. Et si tu attrapes la maladie qui nous frappe, je ferai de la place pour toi dans les chariots de cadavres. Continue. Et c'est pour ta carcasse qu'il faudra faire de la place dans un chariot. Ah, pas de menace, Mystios. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu dois avoir une idée de l'endroit où peut être ce médecin. Cette Malaka est partie vers la forêt en marmonnant quelque chose à propos d'ingrédients. Une maladie, un village brûlé, ce n'est pas un hasard. Bien sûr que ce n'est pas un hasard. Nous avons été maudits. Je vais jeter un coup d'œil. Retrouvons-nous ici quand tu auras fini. Les forêts ne manquent pas en Macédoine. Où est-ce que je vais trouver cette femme médecin ? Quelque part, à l'est de Potidée, en longeant la côte. J'ai envoyé des hommes la chercher, mais ils ne sont pas revenus. C'est toi le responsable. Tu dois bien avoir un avis à propos de cette maladie. Je sais seulement qu'elle remonte au moment où ce village a brûlé. Tu as l'air de savoir quelque chose à propos de ces incendies. Je ne sais rien du tout. Je ne veux pas être mêlé à ça. Je vais m'occuper de ton médecin. Ah, fais vite, Mystios. Cette bonne rien de médecin. Je l'ai trouvé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai frappé qu'une fois. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Je savais. La porteuse d'aigle. Tu dois être le médecin de Potidée. Le magistrat te cherche partout. Naturellement. J'ai su que quelque chose n'allait pas lorsque ces hommes ont surgi de nulle part et m'ont attaqué. En effet, il prend des mesures extrêmes. C'est vrai. Et si je comprends ses inquiétudes à propos du village, celle-ci ne devrait pas tuer des innocents. Rentrons à Potidée. Pas encore, Mystios. Des bandits se sont emparés de mes ingrédients. J'en ai besoin pour sauver le village. Des vies innocentes sont en jeu. Je vais te rapporter tes ingrédients. Comme attendu. Tu es aussi gentil que tu en as l'air. Je te remercie de ton aide, Mystios. Tu dois avoir un plan pour sauver les villageois. Cette maladie étouffe lentement les gens. Mais mon remède est efficace. Le village compte sur moi. Et désormais, il compte aussi sur toi. Tu auras tes ingrédients. Ah, moi je vais rentrer au village et commencer à préparer un nouveau lot de remèdes. Voyons-nous à Potidée. Je vais rentrer au village, Mystios. Des hommes du magistrat. Étrange qu'ils s'attaquent à ça.
Ces bandits semblent avoir été engagés par quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe ici? Cassandra, j'ai trouvé du poison dans les réserves d'eau. Seul l'ordre a pu faire une chose pareille. Mystios, tu es de retour et en vie? Écoute-moi quand je te parle. Tu cherches délibérément à nous nuire. Ne le nie pas! Magistrat, essaie de te calmer. Des gens ont bu de ton remède, mais ils sont quand même morts. Ton remède ne sert à rien, comme toi. Je te conseille de te calmer, magistrat. Le remède de ce médecin n'a fait qu'aggraver les choses. Comme attendu, c'est au médecin que vont les reproches. Je n'ai fait qu'apporter mon aide. Ce n'est pas toi qui tue les problèmes au lieu de les résoudre, qui risque de comprendre quelque chose. Ça suffit, tous les deux. L'un de vous est derrière tout cela, et je compte bien découvrir qui. Je trouve étrange que tu aies envoyé des gardes chercher le médecin, magistrat. Explique-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait de tel! Garde! Emparez-vous de la Mystios! Tu es la Mystios! Impressionnant. Comme attendu, tu sais te battre.
Sa folie de la persécution l'a poussé à des actes horribles. Je ne peux plus rien pour les gens d'ici. À cause de lui, ils ne me font plus confiance. J'espère te revoir bientôt, Porteuse d'Aigle. Qu'a donné ton enquête ? J'ai trouvé ce message. Qu'est-ce que tu en penses ? Mes loups hurlent, mes sangliers grognent et mes corbeaux complotent. Pour le sang de l'impur. Vous me les amènerez comme attendu. Ainsi, le veneur commande à des bêtes qui s'entretuent d'habitude. Formidable. Je vais devoir me méfier. C'est l'ordre qui a fait ça ? S'il l'a fait, c'est parce que nous étions là. Pour nous attirer. Père avait raison. Je comprends maintenant pourquoi nous vivons cachés. Pourquoi nous fuyons. C'est ma faute. Nous avons fait ce que nous pouvions. Tout ce que nous pouvions. Merci, Cassandra. Retrouvons-nous au repère. Nous parlerons là-bas. Merci, Mystios. J'ai cru que ces bêtes allaient me tuer. C'est Natakas qui t'envoie ? Toi, tu dois être son contact.
Mon fils surveillait un membre de l'ordre. C'était sa première mission, mais il s'est fait capturer. Jamais je n'aurais dû le laisser accepter. Tu n'y es pour rien. Ton fils a fait un choix, et tu l'as respecté. Il avait la vie devant lui, mais maintenant... Où ce fou a-t-il emmené ton fils ? Ces soldats l'ont conduit en aval. Ils vont le mettre à mort, Mystios. Je t'en prie, sauve-le. Où ton fils a-t-il été vu en dernier ? Vers l'aval, Mystios. Des gardes l'ont emmené avec violence. Dis-moi plus au sujet de ce fou. On raconte des choses sur lui. Le hurlement des bêtes annonce sa venue. Je n'ai vu que ses gardes. Ils ont emmené mon garçon. Je t'en prie, Mystios, ramène-moi mon fils. Tu es blessé. Reste ici pendant que je vais chercher ton fils. Dépêche-toi, Mystios. Ils sont peut-être en train de le dépecer. Il faut que je retrouve son fils. Espérons qu'il n'est pas entre les mains du fou dont elle a parlé. Un vrai carnage. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ces gens ont été exposés aux éléments et torturés dans ces cages. Quelle horreur ! Et voilà le brouillard. Quel genre de monstre est capable de ça ? Ces outils ont été utilisés sur les victimes. Ce carnage n'est pas l'œuvre des loups. Cette porte est verrouillée. Mais les traces de sang mènent plus loin dans les marais. Le voilà. Tout va bien. C'est ta mère qui m'envoie. Calme-toi, d'accord ? Non ! Ne me tue pas ! N'approche pas de moi ! Reviens ! C'est ta mère qui m'envoie ! Petit ! Reviens ! Laisse-moi ! Par les dieux ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? T'en fais pas. Tu ne crains plus rien. Viens ici. Il est dangereux. Tu les as tués. Tu les as tous tués. Tu es intelligent, petit. Tu n'auras plus à souffrir ici. Maintenant, file. Ainsi voilà la chienne de Darius, qui cherche le veneur. Dis-moi où il est avant que je ne te tranche la gorge. Tu ne connais que la violence, n'est-ce pas ? Tout comme ton maître. Dis-moi, porteuse d'aigle, tu fais vraiment confiance à Darius ? Darius n'a pas gagné ma confiance. Tu devrais mieux choisir tes comparses, porteuse d'aigle. Au moins sais-tu quel est son nom ? Son vrai nom ? Crois connaître Darius. Xerxès croyait connaître Darius. Quoi que tu prépares, tu ne réussiras pas. J'ai déjà réussi. Tu es là, n'est-ce pas ? Que penses-tu de ce spectacle ? C'est là l'œuvre d'esprit malade. Tu as raison. Ces visages ne te disent rien. C'est toi qui as tué ces hommes. Ils avaient des amis. Des amours, des familles. Leurs proches méritaient-ils vraiment de mourir ? Et ne méritent-ils pas d'être vengés ? Si je ne les avais pas tués, c'est moi qui serais morte. Ne m'obligez pas, vous tuez vous aussi. Tuer est la seule solution qui te vienne à l'esprit ? N'approchez plus! Ils avaient choisi le mauvais camp, pour de mauvaises raisons. Je n'ai pas eu le choix. Qui es-tu pour dire ce qui est bien ou mal? Arrière!
qu'ils se sont dressés contre moi. Alors tu les as tués? Mon fils! Tu m'as pris, mon fils! On a toujours le choix. Vous ne me forcerez pas la main, je ne vous tuerai pas. Eh bien, on dirait que la porteuse d'aigle a une conscience. Une très belle interprétation, très convaincante. Tu m'as berné. Juste de tromperie, oui, mais aussi de vérité. Tu as tué ces gens, tu as ruiné des vies. Et tu continueras. Alors nous ne cesserons pas de te traquer. Pas avant que les tiens aient disparu et que le monde soit hors de danger. Nous nous reverrons. Porteuse d'aigle. J'espère que tu as mené une bonne vie. Mon ami, notre fin approche. Le veneur t'attend dans la forêt? C'est... Ah! Dans la forêt? Malaka! Je viens te chercher, veneur. On a peut-être été piégé, mais je ne te pardonne pas pour autant. Il le fallait.
Le lieu sera bien défendu. Voilà, Dallas. Je t'ai trouvé. On ne me trouve que si je le désire. Natakas dit que tu as découvert quelque chose. Ça peut nous mener au veneur ? L'Ordre prépare quelque chose. Tu veux le veneur ? Alors reste dans les parages et aide-moi à le contrer. Je t'écoute. L'un des lieutenants du veneur s'occupe du recrutement de l'Ordre. En Macédoine. Si on le trouve, on aura une piste. Cherche des documents, des messages, des registres. Ils nous diront où se déroulera la prochaine réunion. Et sois discrète. J'essaierai de ne pas me faire voir. Bien. Et toi ? Je vais aller au village et découvrir quand doit se tenir la réunion. Je t'y retrouve quand j'en ai fini au fort. Ça dit de faire preuve de discrétion. Les chèvres saigneront, les papillons seront attirés par la flamme, le serpent renaîtra. Nouveau crochet, nouvelle peau, nouvelle vie. Darius saura sûrement ce que ça veut dire. Retrouve-moi ce soir sous notre arbre préféré. J'ai envie de toi. Et moustillant. Voilà ce que je cherche. Yeah.
livre livré, proposition vérifiée par le cuisinier du village. Un banal reçu, sans intérêt. Je crois que c'est tout. Allons retrouver Darius. Tout s'est bien passé ? Très bien. Personne ne s'est aperçu de ma présence. Parfait. Tu y trouves quelque chose ? Ça n'a pas l'air d'être des messages secrets. Celui-là. Des crochets ? Ce sont des recrues. Et les chèvres qui saignent ? Un élevage de chèvres. Comme celui-ci. C'est là qu'aura lieu la réunion. L'Ordre utilise du sang de chèvre pour ses rites initiatiques. Ces messages ne m'apprennent rien. Mais ta connaissance de l'Ordre est utile. Que sais-tu d'autre ? Je sais que la réunion est pour bientôt. Il y a toujours un signal pour les attirer. Ce message doit t'en dire davantage. Ce passage sur les papillons et la flamme. S'ils utilisent des élevages de chèvres, ils sont peut-être venus ici. Nous devrions chercher des indices. D'accord. Par où veux-tu commencer ? Peut-être que ces jarres de vin, là-bas, près de la maison. Elles contiennent probablement du sang de chèvre pour le rituel de l'ordre. Nous avons déjà parlé des chèvres. C'est vrai. C'est une affaire de feu et de flamme. Il y a quelque chose ici. Ces bûchers de foin, il y a des marques de suie à leurs pieds. Et alors ? Quelqu'un a brûlé du foin ici. Le signal, ce sont des flammes ! Ce qui signifie que les réunions ont lieu la nuit, car... La flamme attire les papillons. Exactement. Il suffit d'attendre que la réunion commence. Il y a un autre élevage de chèvres tout près, de l'autre côté du pont. Bien, je t'y retrouverai à la nuit tombée. J'ai trouvé un endroit d'où observer la réunion. Nous attendrons là. Le veneur sera satisfait de ce résultat. Le recruteur. Avant toute chose, la porteuse d'aigle. Votre mission est simple. Apportez-moi sa tête. Je vais les contourner. Ne le laisse pas s'enfuir. Je n'ai pas besoin de ton aide. Reste. Malaka. Attendre la fin de la réunion ? Où y aller maintenant ? Où est passé Darius ? Buvez !
trancher la tête, porte d'aigle. Le tonnerre sera bien. Tu n'en as pas. Quelqu'un veut t'envoyer chez toi. Oh non, pas question. Tu connaîtras pas. Message. J'espère de bonnes nouvelles à propos du recrutement. Retrouve-moi au lac. Leveneur. Un lac. Intéressant. Où est-ce que tu te cachais ? Plus près que tu n'imagines. Tu n'as jamais été réellement en danger. Tu es parti. Pourquoi ? Je devais m'assurer que tu n'appartenais pas à l'Ordre. Tu me soupçonnais encore ? Parce que toi, tu n'as jamais douté de mes liens avec l'Ordre ? J'ai eu des soupçons, c'est vrai. Tu as immédiatement compris le message chiffré, et tu connais ses rites et ses méthodes. Je sais que tu es sans reproche, et nous avons nos réponses. D'après le message, le veneur est près d'un lac. J'ai d'autres pistes à suivre. Et je suis sûr que Natakas en a d'autres pour toi. Quoi que cache Darius, je le découvrirai. Je devrais retourner voir Natakas avec ses indices. Il saura peut-être quoi en faire. Te revoilà. Qu'as-tu trouvé ? Des indices. Tu en tireras peut-être quelque chose. 1. Le veneur est censé attendre dans la forêt. 2. Il est entouré d'animaux. Et 3. Il est près d'un lac. Je pense savoir où peut être cet endroit. Une fissure dans une falaise mène à une clairière. Et si c'est l'endroit auquel je pense... Allons-y. Je ne peux pas. Pas encore. C'est le veneur. Ses lames nous font souffrir depuis des années. Père doit le voir mourir. Je vais le chercher, et nous te retrouverons dans la clairière. Si le veneur est dans cette clairière, je ne pourrai pas vous attendre, toi et Darius. Je serai là. Je me demande ce que m'a préparé l'Ordre
cette fois. Moins d'arbres de mort, j'espère. Le veneur doit savoir quelque chose sur Darius. Je vais le faire parler. On y va. Je me rapproche, veneur. Garde ta bête, mon frère. Pourvu que Natakas et Darius rejoignent à temps la clairière du veneur, je ne pourrai pas les attendre. Dans le marais, c'était toi. Tout cela visait à te faire comprendre la vérité, Cassandra. Tu n'es pas une héroïne. On m'a donné bien des noms, mais héroïne n'est pas au sommet de la liste, alors. Tu ne m'apprends rien. Tu es impur. Le sang qui coule dans tes veines est capable de détruire des royaumes, de changer le sort de civilisations entières. Tu m'as qualifié d'impur ? Tu es une impure. Tu crois être unique, une déesse. Non, tu n'es même pas humaine. Tu es une arme, une massue, trop dangereuse pour être brandie. Ma tâche consiste à traquer les impurs pour protéger ce monde. Tu ne sais rien de moi. J'en sais plus sur toi que tu n'en sais toi-même. J'ai mis en pièces détient la porteuse d'aigle. Je peux en faire autant avec toi. Tu ignores ce que je vais faire et qui je vais devenir. Je choisis mon sort. Je décide de mon avenir. Et j'ai décidé d'être une menace pour ton ordre. Et pour toi. Admire ce que tu leur as offert. La mort. Regarde-les. Tu te rappelles leurs hurlements. Est-ce qu'elles te pèsent? Toutes les souffrances que tu as causées. Si tu aimes tant tes bêtes, ne les envoie plus à la mort. Tu perturbes l'ordre naturel des choses. Et donc, naturel. Je serais ravi de rétablir l'ordre des choses. Celui de la nature.
et te renvoyer à la Terre. Voyons. Pouvoir faire confiance. Tu crois que c'est son vrai nom? Je vois Xerxes. Aucune partie de toi ne quittera cette clairière, ni ta peau. Ni ton sang, ni tes os. Où est-il passé? Il faut que je retrouve sa trace. Peut-être Ikaros parviendra-t-il à toi. Fissure dans la paroi. J'ai l'impression que c'est par là qu'a filé le veneur. Ça sent fort ici. Des bêtes. Viens, Cassandra! Je vais t'arracher le cœur pour amorcer. Seul l'un de nous quittera cette grotte. Plutôt mourir que te laisser infliger d'autres souffrances à ce monde. Ta faim est là, monde. Tu es une créature chaos, Cassandra. Tout ce que tu touches meurt en hurlant. C'est ce que tu crois. Non. Belle entrée. On a pris le chemin facile. Artabanos. Ainsi c'est toi, Artabanos. Pactias. Après tout ce que tu as fait à cette famille, qu'est-ce que ça te fait qu'ils te regardent mourir? C'est ce que prétend Artabanos? Non. C'est lui qui a commencé. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous lui faisions confiance. Nous l'aimions. Nous étions comme des frères. Mais il a retourné sa lame contre nous. As-tu jamais songé aux conséquences? Il serait en vie. Ta mère, tes frères et sœurs... C'est...
C'est comme s'il les avait tués lui-même. Darius, tu ferais bien de t'expliquer. Cassandra. Tu caches quelque chose. Parle. Oui, Darius. Parle-leur de notre promesse. Protéger la Perse. Nos enfants. Leur avenir. Alors ? Alors pourquoi ? Pourquoi nous as-tu trahis ? Pour tenir cette promesse. Il est temps que je te dise la vérité sur Artabanos, protecteur de la Perse. Nous feindrons une attaque directe du convoi, ce qui attirera le plus gros des forces de Xerxès et te donnera l'occasion de... Xerxès ne verra rien venir. Demain, le tyran de l'ordre sera mort. Et la Perse sera hors de danger. Mais il y aura toujours d'autres tyrans. Et nous serons là pour nous occuper d'eux. Le roi Xerxès est mort, mais son fils a poursuivi son œuvre. Le nouveau roi doit mourir à Morgès. On ne peut pas poignarder tous les problèmes. Artaxerxès est roi désormais. Son père et le père de son père étaient des pantins de l'ordre. On ne peut pas prendre de risques avec l'ordre. Et si l'ordre n'était pas notre ennemi ? Il est puissant. Peut-être qu'en coopérant avec lui, nous aurons les moyens qu'il nous faut pour protéger la Perse. Artaxerxès mourra, comme tous ceux qui sont liés à l'ordre. Comme je m'y attendais. Je ne peux pas te laisser entrer, Artabanos. Il t'a recruté. Non. Je l'ai rejoint. Ce roi n'a rien fait. Pas encore. Garde ! Traître. Amorgès a rejoint l'ordre des anciens. Et depuis, il aide le veneur à nous détruire. Les impurs et nous. C'était mon meilleur ami, en temps de guerre. Sa naissance. En appelant les gardes, il a condamné notre famille.
Au moment même où tu as employé ta lame contre l'ordre, tu nous as condamnés. As-tu jamais pris le temps de penser à tous ceux que ta lame avait tués ? Mère, mes frères, mes sœurs ? Moi ? Mon fils. Je ne cesse d'y penser. La mort de Pactias sera un signal pour l'ordre. Amorges et tout son pouvoir s'abattront sur la Macédoine. Père, nous ne pouvons pas rester ici. Je vais vider le repère. Va. Je dois enterrer un vieil ami.
Un remède peut soigner ou tuer. Comme attendu, tout dépend des intentions du médecin. On y va. C'est parti. Allez. Ça continue, faut que ça cesse. Je préférerais que le poisson t'emporte, porteuse d'aigle. Mais l'important, meurs. Thank you.
Darius. Cassandra. Parfois, je rêve d'une vie banale, d'une échoppe sur l'agora, poisson, d'apprendre à pêcher à mon fils. Tu as déjà songé à mener une vie banale ? Je me bats pour le bien de tous, pour ceux que j'aime. Mais c'est toujours à ceux qu'on aime qu'on fait le plus de mal. Toujours. Natakas, prends ta cape. Il risque de faire froid sur la route. Tu penses que nous nous reverrons ? Natakas, le monde est grand et nous... J'y crois. Comment le sais-tu ? Aie confiance. Pactias est mort, mais l'ordre vit toujours. Et avec Amorges à sa tête, nous sommes tous en danger. Il emploiera toute sa puissance contre nous. Guerriers, ruses... Fourberie. Il te traquera sans relâche. Et nous aussi. Qu'il nous traque, il ne trouvera que la mort. Ils sont toujours là. Darius et Natakas ont laissé tant de choses. Les hommes fabriquent lances et épées, mais ce sont les dieux qui façonnent les crocs et les griffes. Allez.
de ne pas me faire voir. Thank you.